Satsangatve Nisangatvam Nisangatve Nirmohatvam Nirmohatve Nischalatatvam Nirmohatve Nischalatatvam Nischala tatva jivan mukti Nischala tatva jivan mukti Namaskaram. Namaskaram à tous. Eh bien, au fur et à mesure que les jours passent, le bilan du virus s'aggrave. Bien que dans certains pays, il soit un peu contenu, dans beaucoup de nouvelles régions du monde, ça s'emballe. Malheureusement, aux États-Unis, il y a plus de 30 000 ou 32 000 morts. Ici, on m'a donné un nombre plus faible, je ne sais pas pourquoi. Les nouvelles disent 32 000 au cours des dernières 24 heures. Plus de 2 500 personnes dans un seul pays, principalement concentrées dans une poignée d'États, probablement. L'Espagne, 19 000, l'Italie, presque 22 000, la France, plus de 17 000, la Grande-Bretagne, 13 000, l'Iran, 5 000, plus de 2 millions de personnes infectées par le virus. 137 000 morts dans le monde. Et je suis sûr que le chiffre réel est au moins 10 à 20% plus élevé. Eh bien, les gens qui ont d'autres problèmes, comme des problèmes cardiaques, ceux qui prennent des immunosuppresseurs et d'autres, avec les premiers symptômes du virus, il se peut qu'ils meurent. Mais ce n'est pas attribué au virus, mais attribué aux autres problèmes qu'ils avaient déjà. Mais sans le virus, ils auraient probablement vécu bien plus longtemps avec leurs problèmes existants. Donc, au cours des dernières 24 heures, quasiment 6 500 personnes sont mortes dans le monde, rien qu'à cause du virus. En Inde, on a dépassé les 422 morts jusqu'ici, 28 rien qu'au cours des dernières 24 heures.
C'est la pire journée pour les États-Unis ces dernières 24 heures, en ce qui concerne le virus. Plus de 22 nations ont dépassé la barre des 10 000 cas confirmés. L'Inde émerge lentement dans le top 5 des nations qui ont le plus de tests à partir du confinement. Nous évoluons assez efficacement vers des tests à grande échelle, ce qui est la bonne voie à suivre. Le Kerala, l'Uttar Pradesh, le Tamil Nadu ont un taux de mortalité de moins de 1% par rapport au nombre de cas déclarés, ce qui était prévisible, je pense. Je vous l'ai dit il y a un certain temps, les gens d'Inde du Sud pourraient avoir une résistance un peu meilleure à cela, simplement du fait de l'alimentation et de leur proximité à la terre. Et il y a aussi certains facteurs génétiques. Le pourcentage est resté faible, c'est très bien. Dans le Tamil Nadu, le confinement est très efficace. 170 foyers ont été identifiés et confinés. Excusez-moi, ça c'était pour l'Inde. Dans le Tamil Nadu, 22 districts rouges, c'est-à-dire avec une forte concentration. Eh bien, petit à petit, de plus en plus de faits sur la résilience du virus sont connus. Maintenant, ils disent que ce n'est pas nécessairement à cause de la proximité physique qu'ils sautent d'une personne à l'autre. Ça peut avoir lieu à travers les systèmes de climatisation. Donc, les voyages aériens, et même dans une certaine mesure, les voyages en train, vont être un défi, parce que sans climatisation, vous ne pouvez pas faire marcher ces modes de transport. Les hôpitaux qui sont climatisés pourraient très efficacement distribuer le virus à tout le monde. Eh bien, rien n'est vraiment confirmé, mais rien n'est dans un état où on peut le nier. Une période pleine de défis, ça c'est sûr. Les perspectives économiques à travers le monde semblent assez sombres dans beaucoup d'endroits. Si l'on reprend l'activité économique, au moins d'ici mi-mai ou juin, peut-être que dans 6 à 9 mois, on pourrait commencer à s'en sortir, pas au niveau de bien-être économique que l'on connaissait, mais raisonnablement bien. Mais si ça prend bien plus longtemps pour faire redémarrer l'agriculture, l'industrie et les entreprises, alors il faut s'attendre à une période difficile, pendant au moins 24 mois, 18 à 24 mois, probablement. Beaucoup de nations vont-elles être capables de s'en sortir avant longtemps? La question se pose. Pour ce qui est de l'Inde, ces 20 dernières années, nous avons sorti plus de 240 millions de personnes de la pauvreté. Donc ce virus, ces confinements,
et cette dégradation de l'économie pourrait directement refaire passer ces gens sous le seuil de pauvreté, ce qui est très regrettable parce qu'il a fallu des décennies d'efforts pour les en sortir, et les y voilà de nouveau. Ce ne sera pas bon pour l'éducation, pour les gens en bas de l'échelle, en bas de l'échelle économique dans toute société, en particulier dans un pays comme l'Inde. Ce sera mauvais pour les femmes. Quand la situation économique se dégrade, même au sein de la famille, les plus vulnérables sont ceux qui sont les plus maltraités, malheureusement. Eh bien, il a fallu énormément d'efforts pour faire aller la fille de la famille à l'école dans ce pays. Aujourd'hui, un très haut pourcentage de filles, très élevé, probablement meilleur que dans la plupart des nations, même en Inde rurale, vont à l'école. Eh bien, ceci pourrait défaire une grande partie de ce travail. Dans quelle mesure, personne ne le sait, mais à coup sûr, ça va le défaire. Beaucoup de choses qui doivent être reconstruites, ce qui va nous faire régresser de je ne sais combien de temps. Il y a des défis. J'espère qu'en tant qu'être humain, nous allons devenir bien plus résilients que le virus et rebondir avec beaucoup d'enthousiasme et de force, parce que nous sommes numéro un sur l'échelle de l'évolution des choses sur cette planète. C'est le moment de le prouver. Avec quel niveau de conscience et d'intelligence et de résilience on peut rebondir, je pense que c'est un test de ce que nous sommes de bien des façons. C'est une espèce de situation de guerre, mais personne ne nous tire dessus. Ça, c'est une grâce. Au moins, personne ne bombarde nos maisons, personne ne les brûle pour nous en faire sortir. Si nous sommes conscients et attentifs, nous vivons. Si vous êtes un peu arrogant, il y a un prix à payer. Cette question est de Rama Devi Gao. Namaskaram Sadhguru. Vous avez parlé de nombreuses fois dans vos interventions de la science de fabriquer des dieux. J'ai vraiment trouvé ces mots fascinants, mais je n'ai jamais compris ce que vous vouliez dire par là. Pouvez-vous en dire davantage ? Rama Devi Garu. De toute évidence, une dame parlant Telugu a un désir profond de m'attirer des ennuis. Parce que Dieu est un matériel explosif. Ceux qui le manipulent sont généralement tués par les gens qui croient être les soldats de Dieu. Si Dieu est omnipotent et assez puissant pour créer cette création inépuisable, je ne pense pas qu'il vous engagerait en tant que soldat. Vous êtes une petite chose dérisoire. Oui, vous pouvez causer des dégâts à un autre être humain, et bien sûr à d'autres animaux, plantes, arbres. Si vous vous tenez debout sur cette minuscule planète, que vous vous tracassez, vous tormentez et lancez même votre fichue bombe nucléaire, rien n'a lieu dans le cosmos. Vous êtes trop dérisoire. Vous l'êtes.
Donc, je ne pense pas que le Créateur vous engagerait en tant que soldat. Donc, examinons le désir de Ramadevi Garo. S'il vous plaît, ayez le courage d'envisager cela de façon très fondamentale. Disons, avant que les êtres humains n'arrivent sur cette planète, eh bien, tout un tas de gens stupides croient que le monde n'a commencé qu'avec les êtres humains. Eh bien, aujourd'hui, même un écolier sait que ce n'est pas le cas. Le monde, les créatures, les plantes, les arbres et les cafards, ils étaient là bien avant nous, un milliard d'années avant nous. Donc, quand il n'y avait pas d'êtres humains, croyez-vous qu'il y avait un dieu sur la planète Terre? Même aujourd'hui, si chacun d'entre nous, toute l'humanité, si nous nous endormons pendant 2 heures, tout le monde, vous pensez qu'il y a Dieu quelque part? C'est un produit du mental humain. Dieu tel qu'on le connaît, je veux dire. De toute évidence, vous et moi n'avons pas créé ce cosmos, ça on le sait. Mais cette idée qu'il y a un grand homme assis là-haut et faisant tout ça est le produit d'un mental enfantin. C'est un homme, je veux que les femmes s'en rappellent, Ramadevi Garu. Je veux que vous vous en rappeliez, c'est un homme. Heureusement, dans cette culture, comme nous sommes conscients, c'est nous qui fabriquons les dieux. Au nom de la parité des genres, nous avons fait des dieux masculins et des dieux féminins. Partout ailleurs où ils croient que Dieu est vraiment là-haut et qu'il vous fait, il n'y a qu'un Dieu masculin, vous feriez mieux de comprendre cela. Donc, dans ce pays, nous avons maîtrisé la technologie de fabrication de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, c'est une culture qui n'a pas l'idée de le Dieu. Il n'y a pas le Dieu. Tous les gens que vous vénérez sont des icônes du passé. Prenez Shiva, Rama, Krishna, peu importe, un Bouddha, n'importe. Ce sont tous des gens qui ont foulé cette terre à une époque, qui sont passés par tout le cirque de la vie, les difficultés et tribulations, plus que vous. Mais comme ils sont devenus à ce point iconiques, nous les avons admirés et vus comme une source d'inspiration pour vivre mieux, ce qui est naturel chez les êtres humains, d'admirer quelque chose qui va vous améliorer. Quelque chose est meilleur que vous, vous levez les yeux vers elle pour pouvoir vous améliorer. Cette aspiration est bien. Mais inventer des choses et ensuite les croire, c'est une tragédie de l'humanité. Parce que, essentiellement, cela vient d'un profond degré de malhonnêteté, où vous n'êtes pas prêt à voir ce que vous ne savez pas comme je ne sais pas, un manque d'humilité et d'honnêteté. Tout ce que vous ne savez pas, vous le croyez.
Dès l'instant où vous dites « je crois », nous devons faire attention, parce que ce que vous croyez est plus sacré que la réalité elle-même. Ce que vous croyez est plus important que l'existence elle-même. Ce que vous croyez est plus important que même le phénomène de la vie autour de vous, parce que c'est votre croyance. Donc votre croyance est même plus grande que la création et le créateur, bien sûr. Non, laissez-moi changer de terme. Si je dis créateur, voyez, vous aussi, Sadhguru, vous croyez. Eh bien, le langage a une capacité d'expression limitée, on peut dire la source de la création. La source n'est pas non plus le bon mot parce que vous allez penser qu'elle est à un seul endroit. Mais c'est un fait que vous ou moi n'avons pas créé cette existence. Elle était ici avant que vous arriviez et que j'arrive. Ne m'en accusez pas, ok? Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Maintenant, cela étant dit, à quoi sert de fabriquer des dieux? Tout d'abord, le mot « Dieu », le Dieu, n'a jamais existé dans ce pays. On cherche seulement à voir comment faire marcher les choses. Parce que dans cette culture, on vous a toujours dit « ta vie est ton karma ». Karma veut dire votre action. Quand je dis « ceci est mon karma », ce que ça veut dire, c'est que ceci est ma création. Ma vie est mon karma veut dire que ma vie est ma création. Elle est belle, c'est ma création. Elle est horrible, c'est ma création. Je suis joyeux en ce moment, c'est ma création. Je suis malheureux, c'est ma création. En comprenant que la façon dont vous faites l'expérience de votre vie à cet instant est entièrement votre création. Maintenant, les gens sont passés dans ce mode, mais quelqu'un est riche, quelqu'un est pauvre, pourquoi c'est comme ça, est-ce ma création? Il est né dans une famille riche, je suis né dans une famille pauvre. Voyez, ce riche, pauvre, toutes ces bêtises sont seulement parce que vous vous comparez à quelqu'un. Si vous êtes assis ici, votre expérience de la vie est entièrement votre création. L'agencement physique des choses dépend de l'époque à laquelle on vit, de l'emplacement géographique où l'on est. Ces choses ne sont pas importantes. Même un homme des cavernes, qui était probablement toujours en confinement de lui-même, distance sociale, parce qu'il n'y avait personne alentour, lui aussi connaissait le même genre de joie et de malheur que vous. Pas parce que la bourse est montée, la bourse a chuté. Aujourd'hui, sa chasse est bonne. Il est comme ça. Le lendemain, il cherche et ne trouve rien. Il est stressé et malheureux. En ce qui concerne l'expérience de la vie humaine, rien n'a changé. Les individus sont soit joyeux, soit malheureux, soit bien, soit mal. Comme nous avons accordé à la dimension subjective de la vie beaucoup plus d'importance qu'à l'agencement physique de la vie autour de nous, nous avons en grande partie décrit la qualité de vie comme une dimension subjective, parce que votre expérience de la vie est la qualité de votre vie. Le genre de maison dans laquelle vous vivez, le genre de vêtements que vous portez, l'argent que vous avez à la banque. Le virus ne regarde pas tout ça. Allô? S'il arrive à vous avoir, vous ne pouvez pas respirer. Oh, il a beaucoup d'argent, laissons-le tranquille. Pas d'exception de ce genre. Parce que c'est la nature de la vie. Donc c'est ainsi qu'on la regarde, peu importe les arrangements physiques dont vous disposez. Votre niveau de joie, votre niveau de malheur, à quel point votre expérience de la vie est agréable, à quel point elle est désagréable, c'est votre karma. Donc sachant cela, nous avons commencé à élaborer des outils avec lesquels on peut améliorer notre expérience de la vie. Parce que nous avons compris que
Ce corps lui-même est un mécanisme. Ce mécanisme humain, nous avons compris que c'est un meilleur mécanisme que celui d'un cafard, un meilleur mécanisme que celui d'un chien, un meilleur mécanisme que celui d'un tigre même, bien que nombre de gens veuillent s'appeler tigre ou je ne sais quoi. C'est un pas en arrière dans l'évolution. Voyez, personne ne se dit singe, mais les gens repartent encore plus en arrière et disent « Je suis un cobra, je suis un tigre. » C'est ok, c'est leur choix. Les choix individuels ne me posent pas de problème, mais c'est un pas en arrière dans l'évolution. Comme nous avons réalisé que ceci est un mécanisme supérieur ou un mécanisme plus avancé, ceci est capable de plus de choses. Ensuite, on a réalisé qu'on pouvait en créer beaucoup d'autres comme celui-ci. Voyez, imaginez si vous étiez fait comme cet arbre. Je ne dis pas ça parce que c'est un gros arbre, pas à cause de ça. Même si vous êtes comme cet arbre-ci, auriez-vous eu l'idée d'un vélo? Le vélo est un mécanisme, donc vous n'avez eu l'idée que parce que vous êtes déjà mobile. Vous voulez vous déplacer plus vite, donc vous avez couru. Mais ça ne suffit quand même pas, vous voulez aller plus vite, donc vous avez pensé à un vélo. Si vous étiez fait comme un arbre, quelle que soit votre intelligence, vous n'auriez pas pensé à un vélo, parce que ça n'a aucune importance pour vous. Comme vous êtes mobile, vous voulez aller plus vite, vous avez inventé un mécanisme. Un mécanisme comme celui-ci, ou une machine comme celle-ci, est appelé un yantra. Donc, nous avons commencé à créer diverses sortes de yantras. Eh bien, dans le monde physique, un vélo, une moto, une voiture, un avion, maintenant des vaisseaux spatiaux qui vont ailleurs, tout ça, mais ça, c'est dans le monde extérieur. Dans les dimensions subjectives, nous avons commencé à créer des instruments, ou machines, ou yantras. Eh bien, dans le nord du pays, probablement, c'est en grande partie perdu, à part peut-être dans quelques endroits. Parce que dans ce que vous appelez les plaines du Nord, il ne reste plus un seul temple ancien. Toutes ces choses ont été complètement rasées au cours des invasions. Ils ont juste érigé de petits temples de fortune, ici et là, et ils se débrouillent avec ça. Il n'y a que dans les gorges de l'Himalaya, ou en profondeur à l'est, là où les invasions ne sont pas allées, vous trouvez des temples anciens comme Kamakhya ou Uttarkashi ou Guptkashi. Ça, ce sont des temples anciens que les invasions n'ont pas atteints. Mais le reste de la plaine du Gange, le Punjab, le Gujarat, tous ces endroits, totalement anéantis. Il n'y a qu'en Inde du Sud que vous voyez vraiment des temples anciens, et à l'est, comme à Puri et quelques autres endroits. Partout où il y a des temples anciens encore en vie, vous verrez que dans ce pays, on appelle la divinité, ou aujourd'hui, à cause de l'anglais, on a commencé à l'appeler le Dieu, on l'appelle un yantra. Cet usage du mot est encore très répandu en Inde du Sud. On appelle la divinité un yantra. Ça veut dire qu'on appelle la divinité une machine. On l'appelle une machine parce que la machine est juste un agencement complexe de formes. Une forme est un yantra. Le triangle a toujours été considéré comme la forme de base. À partir de là, on a créé de nombreuses formes complexes et on les a faites fonctionner à notre avantage. Eh bien, il y a de très nombreuses dimensions à cela. Difficile de les explorer avec l'heure qui tourne. Mais pour vous donner le bon contexte, ce sont des dimensions avec lesquelles vous pouvez ouvrir une nouvelle possibilité, une nouvelle fenêtre vers la création. Vous n'inventez rien.
Vous ne faites qu'améliorer vos outils de perception pour pouvoir éprouver et percevoir des dimensions dont vous n'auriez autrement pas fait l'expérience. C'est comme aujourd'hui avec un télescope. Vous êtes capable de voir quelque chose que vous n'auriez pas été capable de voir à l'œil nu. Eh bien, comment sait-on que le virus existe après tout? Au microscope. Nous sommes capables de voir quelque chose que nous n'aurions pas vu autrement à l'œil nu. Il y a 100, 200 ou 500 ans, si le virus arrivait, la plupart des gens dans beaucoup de parties du monde auraient cru que c'est la volonté de Dieu. Dieu est en colère contre nous et il nous tue comme ça. C'est ce qu'ils auraient pensé et c'est ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui, comme notre perception est améliorée avec des machines qu'on a créées, on sait que c'est un certain type de virus. Quelle est sa nature, sa couleur? Vous savez, partout, sur toutes les chaînes de télévision, le virus flotte partout. Nous connaissons sa forme, sa couleur, tout. De même, dans les dimensions subjectives, nous avons ouvert cette possibilité de bien des façons. Ça peut être utilisé de façon très puissante. C'est ainsi que les divinités ont été créées. C'est dans ce contexte que j'ai dit que nous connaissons la technologie de fabrication de Dieu. Eh bien, nous avons Bhairavi, nous avons Dhyanalinga. Demandez aux gens quelles sont leurs expériences de la Devi ou de Dhyanalinga. Pour beaucoup de gens, c'est plus que leur vie parce que ça a ouvert des dimensions qu'ils n'avaient jamais imaginées possibles dans leur vie. Eh bien, il y a des gens qui vont dire « Oh, qu'est-ce que ça a ouvert ? » Qu'en savez-vous ? Comment allez-vous savoir ? Si je regarde à travers le télescope et que je dis « je vois ça, ça et ça », vous dites « non, 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 tout ce que vous voyez c'est... vous avez juste un long tube en métal et vous vous moquez de nous. » Jusqu'à ce que vous y mettiez votre œil, vous ne savez pas. Donc ici, ce n'est pas votre œil, vous devez y mettre votre cœur. Autrement, vous ne savez pas. Quoi qu'il en soit, comme tout, tout ce que vous voyez, tout ce que vous réalisez, aujourd'hui doit être authentifié par l'Ouest. Eh bien, vous avez Ramanujan, ça a eu lieu par accident. Ramanujan, vous savez, faisait jaillir des mathématiques. Les gens n'arrivaient pas à y croire, d'où ça vient? Parce que ce qu'il a dit il y a plus d'un siècle, les gens essaient toujours de le déchiffrer et de le comprendre. Il a même donné une espèce de cadre mathématique au concept ou à la réalité des trous noirs. Quand il n'y avait aucun concept de trous noirs dans la communauté scientifique, il a donné les mathématiques. C'était juste un flot de mathématiques. Les gens ont demandé « d'où est-ce que ça vient ?» Il a dit « ma Devi suinte les mathématiques ». Il a utilisé sa Devi pour ouvrir la dimension mathématique. Si vous ne le savez pas, dans cette culture, pour chaque aspect de la vie, nous avons une certaine divinité, pour tout. Parce que l'idée était de créer, d'accéder, de créer un outil, de créer une fenêtre ou de créer un mécanisme à travers lequel vous pouviez avoir accès à telle dimension de la vie. Donc ceci est une culture où l'on ne croyait qu'en une seule chose, l'ingéniosité humaine a créé de nombreuses possibilités. On ne regarde pas vers le haut en disant « cher Dieu, sauve-moi, protège-moi ». C'est un événement récent parce que tous les autres affirment « notre Dieu veille sur nous ». Vous savez, nous aussi, il a fallu qu'on invente quelque chose. Autrement, on vous disait toujours, ceci est ton karma. Soit tu rends celui-ci merveilleux, soit tu le rends malheureux. C'est à toi de voir. Personne d'autre n'intervient là-dedans. C'est ton karma. Personne, pas ton père, pas ta mère, pas ton Dieu, pas tes anges, personne ne peut rien te faire. Tu peux tout utiliser pour ton bien-être, pour créer du bien-être. Mais essentiellement, c'est ton karma.
Tes parents sont un ingrédient, tes enfants sont peut-être un autre ingrédient, ton époux peut en être un autre. Ton temple, ta prière, ton mantra, ton yoga sont divers ingrédients de la vie. Tu peux utiliser cela pour faire de celui-ci un merveilleux fragment de vie, ou tu peux les utiliser pour en faire un fragment de vie malheureux. Donc, partant de là, il y a la science de fabrication de Dieu, la technologie de fabrication de Dieu. Mais à cause des stupides niveaux de logique d'aujourd'hui, quand je dis stupide niveau de logique, une logique rudimentaire, une logique de niveau maternel est étendue à tout. Ce n'est pas fait par la communauté scientifique, c'est fait par tout un tas d'idiots qui se croient scientifiques. Tout ce qu'ils ont lu, ce sont probablement des manuels de physique de lycée. Au-delà de ça, ils n'ont rien vu. Mais ils vont tout réfuter, parce que leur sens de la logique est extrêmement grossier. Avec toute votre logique, vous ne savez toujours pas de quoi vous êtes fait, quelle est la nature de votre existence. De quoi parlez-vous? Parce que vous ne voyez tout, n'entendez tout, ne sentez, ne goûtez tout qu'en fonction des caractéristiques de ce mécanisme. Le perroquet ne voit pas le monde comme vous le voyez. Les chiens ne voient pas le monde comme vous le voyez. Ils ne l'entendent même pas comme vous l'entendez ici même. Il y a tant de créatures dont l'expérience du monde est totalement différente. Donc, en ce moment même, tout votre... Je ne parle pas de la communauté scientifique, mais de ces scientifiques simplistes qui sont partout, sur les réseaux sociaux. Ils ne comprennent pas. Leur idée de la science est fondée sur l'idée que tout est centré sur l'humain. Cette création n'est pas centrée sur l'humain. À la fois, ces scientifiques de WhatsApp et les gens religieux croient que la création est centrée sur l'humain. Elle n'est pas centrée sur l'humain. Si le système solaire tout entier s'évapore demain, tout va continuer sans problème dans cette création. Donc ne faites pas toute une histoire avec le virus. Restez juste en vie. Restez en bonne santé. Restez en vie. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhuteshwaraya kala, kala, kaleshwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadev.